Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et aussi contentement d'Anker, comme il retrouve Azot comme chaque matin du lundi au vendredi pour se causer la Réunion, en direct dans le sud de la Réunion sur Saint-Pierre. Mais j'espère que le week-end l'a bien passé, que vous êtes les en pleine forme pour cette attaque cette journée dans le boulot. Vous ne travaillez pas aussi, bon, mais j'espère aussi que vous allez comme qu'il faut bien dans votre peau. Voilà, donc, m'y remercie aussi les personnes là, que les bien connecté, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, sur la télévision, et puis un petit peu partout dans le monde, là, qui regarde à nous. Et puis merci encore pour les commentaires, pour les messages que je t'ai envoyés à nous, hein, que ce soit sur Facebook ou sur le numéro de téléphone. Et comme nous dit souvent, merci pour votre compliment, on a beaucoup de compliments qui envoient à nous. Et puis pour les messages qui concernent l'actualité, quand nous les nabs, bien sûr, nous traitent, hein, l'essentiel de l'actualité, les faits aussi sur ce que Zotzotti dit à nous, ce que Zotzotti fait, hein, donc nous fait, même fait moi un plaisir de lancer à Zotza. Donc nous va parler aujourd'hui de quoi? Nous va parler comme d'habitude le lundi matin, et comme dans les jours de semaine aussi, des fois nous parle aussi des infractions du code de la route. Nous y en a quand même pas mal de moon sur la route qui a eu des petits soucis avec la police. Pourquoi? Parce qu'on n'a un peu là pas respecté le code de route, n'est pas dans la loi. Donc 296 infractions qu'elle a été relevée ce week-end du 21 au 23 janvier. Vous l'avez la police sur le terrain, l'avait aussi la direction, la gendarmerie, tout ça. Maintenant, elle a fait quand même pas mal de choses, et 9 PMI a été retiré quand même, et puis Nina quand même les infractions d'habitude, mais ça pas si t'as toutes, hein, parce que normalement c'est toujours les défauts de priorité, les contrôles techniques que Bana il fait pas dessus de l'auto, il oublie fait, ou sinon ça, il n'a pas la monnaie pour faire, ou sinon ça, il gagne plus contrôle technique aussi. Avec les dernières restrictions que Bana a fait justement pour les voitures, il donne plus trop non plus contrôle technique. Ça aussi, c'est un autre problème encore. Et puis, les défauts d'assurance, les téléphones au volant, les refus de priorité, tout ça là. Nous, on a ça et je pense qu'il y aura toujours, et on aura toujours des gens pour donner un peu l'argent aux bonnes, à la loi, aux impôts. Alors donc, on ne parlera plus trop. Si de temps en temps, on va développer un petit peu. Mais là, lundi matin, bon, ça n'a un peu dû être en colère aussi. Là-dedans aussi, dit, mon PMI, là, c'est ailleurs, quelle bêtise m'a fait. Bon, voilà. Alors, on va passer aussi aux informations que me donne Azot, hein, les informations que me donne Azot. Bah, souvent, Nina Elien, qui suit souvent le truc, l'avait envoyé un petit message hier après-midi pour parler des informations sur le Covid-19. Je ne veux pas trop parler de Covid-19, hein, donc, il parle à nous des, pourquoi Nina des annonces, les contredit un à l'autre, hein, donc, ça Nina a une raison aussi, hein, si moi, c'est mon opinion, moi, hein, la raison, c'est toutes les annonceurs, ça Nina a moins quelque chose pour gagner. Dedans, hein. Si on a des parts pour gagner dans telle ou telle affaire, qu'il soit pour le Covid ou pour d'autres choses, ces gens-là, que ça t'y fait, fait des annonces, hein, quitte à dire des bêtises ou à dire des choses que les irréelles. Donc voilà, voilà un petit peu pour la réponse. Hein. Après, les informations que Midon Azot, il faut prendre avec, faut bien regarder, bien écouter. Des fois dans la nuit, Midon Azot a une information là ce matin, puis dans la nuit, il a fini changer. Les autres ont changé dessus, un peu comme le gouvernement. Hein. Un coup, il dit, là, dernièrement, on avait vu les mesures de restriction que Castex s'est enlevé, le premier ministre. Ça aussi, il faudrait faire attention aussi. Hein, peut-être après les élections, à remettre tout aussi. Hein, ça, faudrait voir ça. Et nous va bien causer là-dessus. On parle aussi un peu de pollution, parce que tout le temps, nous, on entend parler de pollution, de mounjette la saleté partout, il y a la saleté, nous, dans le journal, là, ils font photo, ils mettent machin, il y a des applications même que les faits pour tirer photo, flash de moun en train de jeter bonne saleté, hein. Et puis, il y a des caméras de surveillance aussi, un peu partout, donc, elle est bien équipé pour ça. Moi, je pense que quand on y parle de déchets, tout ça là, la pollution ici à La Réunion, nous l'a encore gâté. Ici, il n'y a pas trop de pollution comme partout dans les autres pays. Mais il commence à venir. Pourquoi il commence à venir la pollution? Ça, c'est aussi par rapport à la démographie. Hein. On a plus de monde dans un pays, plus de la pollution. Ça, quand on regarde sur un petit peu les statistiques sur Internet et d'après certaines ONG qui occupent justement
de la pollution. On voit bien que les pays en voie de développement, mais la pollution y arrive. Et puis les pays les complètement développés, les pays européens, tout ça, ben, les bourrés de pollution. Ben, si ici, nous, la pollution avec 2-3 petits saletés de Mounsa Vide, 2-3 camions à saleté, d'un bord canne, d'un bord de sous-pied-mang, de sous-tendre, comme ça, nous, tout ça, là. Mais dans d'autres pays, encore pire. Hein. Donc, ben, ils déversent dans des saletés dans des rivières, hein, ben, un peu partout. Hein. Donc, la pollution qu'on nous parle là, ben, c'est une affaire qui est assez compliquée. Et c'est une affaire qui sera toujours là pour essayer de tirer ça. Ben, il faut diminuer la population, simplement. Hein. Plus que, ben, et après, il faudrait dire aussi, avec cette pollution-là, bon, après, on a des structures clés en place, IGA pas aussi. Hein, on a vu le nombre d'espaces pour mettre aux autres déchets, comment l'augmenter, surtout sur Saint-Pierre, sur le tampon. Ben, il voit qu'on a un souci, mais les gens, ben, ces affaires-là, des fois, les bourrer dans des trous pour aller roder, il faut au moins 4x4 pour les roder dans ces trucs-là, aller dans des machins. Donc, voilà, la pollution, un petit passage, comme je voulais dire là-dessus. Hein, donc, nous aurons bien sûr l'occasion de parler au courant de la semaine. Hein, donc, plus que le pays augmente, plus que Nenad Moon, et plus que la pollution y arrive à Téhéran. Et ça, pour cet idiot, où il tire vraiment, la pollution arrête de polluer. Ben, comme il dit, il faut de retard là, bonheur. Hein, donc, mais après aussi, la pointe d'usine pour incinérer, ben, rien du tout ici à Réunion, tout est enterré. Sauf sur Saint-Pierre, Microire, à Pierrefonds, ben, on a voulu faire une usine, en train d'essayer de voir là, pour l'incinération. Tout le monde est en train de crier aussi avec ça aussi. Bon, voilà un petit passage entre parenthèses pour la pollution. Hein, donc, que ce soit ici ou ailleurs. Nous, Nina, dans les îles de l'océan Indien, partout quand on regarde les bonnes journaux, nous voyons que Banaï parle nous, souvent de cette pollution. Hein, donc, nous avons plusieurs types de pollution. C'est la pollution visuelle, on voit un gros tas saleté par là. Donc, on a aussi la pollution que les faits aussi par les grandes surfaces, tout ça là, qui aux abords aussi. Hein, et nous avons aussi par certaines sociétés, par exemple, je sais pas moi, la dernièrement, là, nous avons eu quelqu'un qui, avec son camion, parti des vides, un tas à la saleté au lieu d'aller à la déchetterie. Bon, ben, ça aussi, c'est une autre chose encore. Hein. Nous va passer au protocole sanitaire des écoles, dans les écoles, la rectrice qui est mise en demeure par les parents et les enseignants, l'association parents 974 mobilisation et je résiste 974, qui annonce avoir entrepris une sommation interpellative de la rectrice à la Réunion au sujet des protocoles sanitaires qui sont en vigueur dans les écoles dans notre pays. Le protocole sanitaire dans les écoles, voilà. Donc Chantal Manès Bonisson qui fait le point sur l'évolution des mesures sanitaires dans les établissements scolaires. Bah, les associations pas contents non plus. Hein. Donc, contre ces bonnes décisions, ils réclament des réponses à l'Académie de la Réunion. Et dans notre communiqué, je t'y dis, à l'heure où les mesures sanitaires y renforcent, ou le protocole sanitaire de l'école d'IDUSI, et à la veille de la rentrée, c'est-à-dire hier, la rentrée scolaire, c'est aujourd'hui, une centaine de parents d'élèves, les représentés par l'association Parents 974 Mobilisation, qu'il y a à peu près une centaine d'adhérents, et interpelle Madame la rectrice dans le cadre d'une... voilà, donc pour vendredi, hein, l'interpelle à lui avec cette histoire de protocole, avec des problèmes que Nena a dedans. Hein. Donc la sommation a été déposée par voie du siège de justice. Nena a 12 questions, mais ça va donner des 12 questions, qui sont relatives au non-respect du droit de l'enfant dans le cadre de la gestion de la crise du port du masque aux injections, ben, des marmailles de 5 à 11 ans, de 12 à 17 ans, manque d'évaluation de ce ban mesure, demande à la rectrice de répondre à ça. Ils mettent des protocoles en place, oui, il est bien, mais si je ne viens pas répondre pourquoi ils mettent le protocole, là, il y a un problème assez compliqué. Donc l'association, le collectif, bon, ils montent au créneau. Il y a des enseignants résistants, tout ça là, que les dents, ils montent votre volonté de faire entendre à Zot à ce sujet sur la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette sommation là, dans la même ligne qu'elle a été faite dans les régions du Grand Est, de la Normandie. Là-bas, du côté de la France, ben là, on a suivi un peu les affaires. Hein. Donc, l'association, il demande aussi à être reçue par la rectrice pour débattre sur le nouveau sujet. Hein. Le sujet, c'est le protocole sanitaire à l'école. Donc, quelque chose à suivre. Hein. Ben, il parle de l'intérêt des enfants dans cette crise sanitaire. Hein. Donc, avec des effets que Nena, les effets, ben là, il fait des protocoles sanitaires. Il dit où c'est des protocoles sanitaires. Mais c'est la majorité des protocoles sanitaires, les bases. Et sur les adultes, et donc là, comme vous êtes en présence de marmailles, ben, les petits marmailles de 5 ans avec le masque, là, c'est assez compliqué. Hein. Donc ici, surtout à La Réunion, avec cette chaleur,
Et voilà, donc Dieu sait que bon, ben, on n'a pas rentré de bataille pour ces histoires-là. Donc, on va suivre ça, et puis on va dire à Zotza, un petit peu plus tard, sur Zafé, dis-nous que les bas de mesure, les disproportionnés par rapport à ce que, ben, ce que les prévus. Hein. Et puis, le ministre, ben, s'il y annonce des choses d'une manière, après, de l'autre côté, à la réunion, les gens y appliquent d'une autre façon, ben là, c'est un peu les choses à l'envers, et c'est pour ça que Dominique rit aussi, hein, ça faudrait voir ça. Et puis, nous va parler des histoires du côté de la plaine des Cafes, avec de Moulin la plaine des Cafes qui manifeste contre les tyroliennes du parc du volcan. Bah, apparemment, maintenant, il aime bien ces tyroliennes, ces bonnes, comme à Saint-Denis, là, maintenant, il aime bien toutes ces bonnes affaires, ils flottent dans les airs, là, pour faire venir le touriste, tout ça. Et d'un côté, dans les associations, on n'est pas content du tout, hein. Saint-Leu, rappelle à Zod, maintenant, il voulait faire un aussi, Saint-Denis l'a fait, là, elle est en panne, maintenant, on essaye de garder un peu, là. Téléphérique, tout ça là, tyrolienne, tout là, vous mettez dans la même catégorie, hein, donc les affaires, hein. Quoique les pas pareil, la sécurité pas pareil, donc faut machin. L'association de Moulin la plaine des Cafes que la rassemble Azote dimanche matin pour manifester contre justement ces tyroliennes au parc du volcan, le projet. Comme on a dit, comme ça, ça bouffe le budget et elle est aussi écocide veut dire, qui risque de bouffer la nature en l'air là-bas, détruire quand même pas mal de choses. Les actions de sensibilisation, ben, ils continuent pour maintenant là-bas du côté de la plaine des Cafes. Hein. Dimanche, les membres de l'association, ils parlent sur plusieurs points du parc, du volcan, que les menés par la majorité du temps. Pour rappel, Azote, hein, dans le courant de l'année passée, on avait parlé de ça aussi, sur l'histoire de parc, là, de tyrolienne. Et donc c'est 10, ben, il installe pas un, hein, ben, il installe 10 là-bas au tampon là-bas, depuis la plateforme du Piton du Gain, des câbles de 850 mètres et 6 de 900 mètres sera tendu entre, jusqu'à l'arrivée du champ de foire 27e kilomètre, là, ce qu'on est ben, pas trop loin de la station, là, hein, donc le coût du projet c'est 2 millions d'euros. En coût des aménagements, des parkings, toilettes, accueil, aire de pique-nique, tout ça. Il dit que ça dépasse largement les 2 millions d'euros, hein. Après, il faudra voir si le Zafé tient la route aussi, arrive pas au bout d'un certain moment, les mettre les bâtons dans les roues, hein. Parce que, là, c'est une affaire que Banaï dit, il est pas bon du tout, hein, certaines personnes, hein. Banaï milite davantage pour un village d'étape entre le Piton des Neiges et le Piton de la Foineige, plus respectueux. C'est ce que l'association de l'environnement du bien-être de la population, hein, bah, il dit. Hein. Donc, cela a parlé, l'autorité environnementale a rendu son compte-rendu. Apparemment, il a donné les affaires à la commune pour faire. Il a dit, il est bon, hein, c'est un truc clé. Banadio l'a fait tellement vite que personne n'a vu venir. Hein. Donc, le projet de la municipalité, il veut faire quand même pas mal de choses en là-bas, mais là aussi, il ne respecte plus non plus la nature. Hein, parce que s'il monte dans les pitons là-bas, ça détruira un peu, ça fait des plateformes en là-bas. Et justement, au tout début de l'émission, il parlait de pollution. Et crois-moi, la pollution risque de bien venir. On les abat sur les bonnes pitons, on les abat. Et elle est assez compliquée, justement. Encore des terrains défrichés, encore des plantes endémiques qui risquent d'être arrachées, d'être détruites. Hein, donc. On a beaucoup d'enjeux sur l'environnement là-bas, sur le site du Piton du Gain et du champ de foire, le projet de tyrolienne qui prévoit aussi le défrichage des plantes, des espèces endémiques comme le branle vert, mais aussi les tamarins des hauts sur environ 80 mètres carrés de forêt en parfait état de conservation, hein, pour l'installation des 180 mètres carrés de la plateforme de lancement là-bas. Donc à suivre. Hein, donc c'est vrai que heureusement encore des gens qui machin, s'il fait comme ça un pierre, ça nettoyer la nuit, ça fait la plateforme la nuit, puis ça dans sur place, ça va, donc voilà. Nous va aller du côté de Saint-Benoît, c'est une affaire que nous entend parler beaucoup de Saint-Benoît là, ces derniers temps, Saint-André, Saint-Benoît dans l'Est, de l'autre côté, là-bas, une enquête est en cours. Hein. Cette interpellation pour violence dans le quartier de Bras-Fusil, hein, samedi 22 au soir, à Saint-Benoît, a fait l'objet des mandats Copatel, comme il dit là-bas, hein, avec des jeunes bandes rivales de Saint-Benoît, elle est à l'origine de ça, le mouvement a commencé vers 21h30, une personne qui n'avait rien à voir avec cette histoire de bande
personne a été blessée. Cette interpellation a été faite par la gendarmerie de Saint-Benoît. Bastien, vous êtes au courant là-dessus, sur ces interpellations-là, que ça l'a fait. En règle générale, nous entendons parler des interpellations, après nous n'entendons pas du tout parler de ce que l'a se passé en plus. Hein. Ou sinon, ça m'a la zappé, m'a pas vu. Hein. Donc, en règle générale, m'y parle un petit peu là-dessus. Et justement, dans ce cadre-là, la mairie, il demande des renforts aux gendarmes et aux CRS donc de Saint-Benoît. Hein. Et elle a eu quand même une nuit assez bouleversée, la nuit de dimanche 23 à 24 janvier. Hein. Donc, hier soir, alors qu'elle était marquée par des violences dans les quartiers de Bras-Fusil à Saint-Benoît, elle a eu une vidéo, mais je pense que M. Espex l'a vu, je l'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux. Un jeune homme qui a été tabassé par des personnes, hein, des jeunes, je ne connais pas de quelle bande ils sont. Alors, les gendarmes, ce week-end, les gendarmes l'a fait quand même, comme avec les autres, environ 7 interpellations dans le cadre des violences qui durent depuis plusieurs jours. Elle a été déployée dans les quartiers la nuit de dimanche, pour sécuriser les rues. Et puis la mairie avait demandé le déploiement des renforts des CRS là-bas dans le quartier de Bras-Fusil, Saint-Benoît, qu'on a des violences de l'autre côté là-bas. Hein. Je me rappelle, à Zot, il fut un temps sur Saint-Pierre. Nous avons eu quand même pas mal de violences la nuit, c'était difficile à sortir, les gens marchent cagoulés, t'es à base de moune un peu dans tous les sens. Et ben donc là, que les parties, la tendance, il relève un petit peu là-bas du côté de Saint-Benoît, que les rempois aux violences urbaines depuis plusieurs nuits. Il y a des affrontements, tout ça là. Et puis sur Internet, il y a aussi des gens, ils lancent des appels aussi pour dire aux autres, ça c'est un peu dangereux quand même, hein, parce que là, il alimente la haine, et il n'est pas trop gaillard là-dessus. Hein. La vidéo que Cisola a eu l'occasion de voir, même, elle était sur les pages de plusieurs associations, plusieurs groupements, hein, sur Internet. Donc, Cisola a pu regarder, je l'ai bien vu comment il est, les affaires. Il est assez violent quand même. Hein, voilà. Une vidéo qui a été relayée sur les réseaux sociaux. Les bandes groupes l'avaient parlé un peu beaucoup. Ils dénoncent tout ça. C'est un fléau, c'est de la violence gratuite, d'après le témoignage d'une personne sur la bande vidéo. Et voilà les affaires, mais j'espère que tout ça va arrêter un coup, hein, parce que faut pas que nous régressions au lieu de nous progresser dans le machin. Et puis avec la crise actuelle, avec tout ce qui se passe dans ce pays, des fois les gens là, un peu, ils en profitent pour faire cette bonne business là-dessus. Après, la violence gratuite, c'est quelque chose de qui n'est pas cool du tout, hein. Ça y amène des jeunes entre autres d'entretuer les autres. Et vu qu'avec le temps qui passe, avec tout ce que nous voit qui se passe sur la planète et sur toute la Réunion, c'est des choses qui risquent d'arriver encore un peu plus souvent dans d'autres quartiers. Donc il faudrait que ils mettent en place des actions pour pouvoir essayer de régler ce problème-là. C'est un fléau qui dure depuis des années certainement, et là il a eu la prise d'ampleur là ce week-end, les gens l'ont parlé dans la presse. On va aller du côté de l'éruption du volcan Tunga. Nous a eu des particules de poussière dans le ciel de la Réunion. Vous vous rendez compte, hein, l'éruption du volcan sous-marine de l'autre côté dans le Pacifique. Et nous a eu ces reflets là, le ciel orangé, hein, samedi 15 janvier, dans le ciel de la Réunion. Pas mal de territoires aux alentours des îles Tonga l'a eu aussi, ces affaires-là, hein. Et puis le volcan justement ce volcan sous-marin là qui a explosé là-bas, a eu des impacts quand même sur la Réunion, puisque les ondes de choc que la sortie de l'autre côté là-bas l'arrivée jusqu'à ici, hein, donc voilà. Il montre à Zot que la planète n'est pas si énorme que ça, hein, parce qu'une petite île de l'autre côté là-bas qui envoie que nous voit ici à la Réunion les reflets, montre à Zot que la planète les petits, hein. Et puis sur cette planète-là, nous avons aussi tout le monde en train de batailler entre Zot, tous les chefs de gouvernement, tous les trucs en train de batailler entre Zot, alors que nous avons des affaires encore plus graves, encore en train de péter dessus la Terre. Nous va aller du côté du tampon, nous va rester toujours du côté du tampon, parce qu'on va parler du tampon Talala avec ces histoires de tyroliennes, mais puis le tampon, l'INSEE qui mène une enquête pour le recensement de la population, la ville du tampon qui informe les administrés, qu'une enquête est menée par l'INSEE sur le recensement de la population, n'aura lieu du 3 février au 12 mars.
Et bien sûr, les enquêteurs sera mis, n'aura zot badge officiel qui accrédite à zot justement ça. Et là, il faut faire très attention quand on a des bonnes affaires comme ça. Nous, on a aussi des arnaqueurs qui passent par derrière, qui viennent proposer d'autres choses aux personnes âgées, aux personnes vulnérables. Là aussi, il faut faire très attention. À chaque fois, on a une personne qui vient à zot case, demande à y, qui vient vendre à zot, propose à zot un service ou demande à zot des renseignements. Demande bien le badge qui certifie que zot est bien. J'allais bien pour cette enquête-là ou autre chose. Et puis, il faut demander votre carte d'identité. Et puis, si vous en avez vraiment un doute, il suffit d'appeler les numéros que les sur les cartes là, que vous y donnent à vous. Ou sinon, ça, ben, vous y appelle, je ne sais pas, le 17 à la gendarmerie de votre machin. Vous y dit, voilà, là, telle personne est en train de machin, ou aimerait bien savoir. Voilà. Et ben là, il est là pour renseigner à vous. Hein. Ben là, il n'est pas là rien que vous donne rien que les amendes, comme il dit. Ben là, il est là. Voilà. Donc. Nous va passer du côté fait par Anna Cazotte avant Maya parce que me connais, on a beaucoup de personnes à faire Anna Cazotte et après quand la fille donne l'argent tout ça là il roule le bouc partout là puis là ou le forme partout et puis là et après quand il trouve le personne finit dépenser ou lui cuit pas de biscuit il est insolvable et même pas la joie lui rentre pas des fois donc attention et puis numéro de carte bancaire tout ça là les numéros de sécurité sociale la photocopie des cartes d'identité tout ça là fais attention pas donner trop tout ça parce que tu retrouves Azotte avec des doubles identités. Avec ça, tu risques d'avoir des problèmes là-dessus. Nous, on a des changements à venir avec, l'Afghanistan, là, l'aide humanitaire. On a des discussions entre les talibans et les occidentaux pour la crise sanitaire en Afghanistan où des millions de personnes sont menacées de la famine. Il devra. Voilà, donc, on a des discours qui seront faits là bientôt, là ouvert dimanche à Oslo entre talibans et aussi les bandes européens qui sont là-bas hein, et entre la société civile afghane. Une visite de 3 jours en Norvège, c'est une première en Europe hein, depuis le retour au pouvoir des talibans, emmené par notre ministre des Affaires étrangères, Amir Khan Moutaki, qui doit rencontrer les responsables norvégiens, des représentants des Nations Unies en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et l'Union européenne, la formation d'un système politique en réponse aux crises humanitaires et économiques. Et c'était une préoccupation. En matière de sécurité aussi, hein, contre le terrorisme, tout ça, ça parle de ça. Et surtout, les Afghans, les partis là-bas du côté à Oslo, là, pour justement demander un peu de l'aide humanitaire, parce que Banat, ils vivent avec 80% d'aide humanitaire. Et donc là, maintenant, vu que les États-Unis, là, laissent Azot sur le côté, les États-Unis, là, prennent Azot clic et Azot claque la partie. Et donc, les Afghans, les pris un peu dans le sirop, comme il dit. Et donc, beaucoup de personnes, en train de mourir de faim de l'autre côté là-bas. Mais le problème avec l'Afghanistan, avec les responsables afghans, ben, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que Zot, il veut avoir les aides humanitaires et continuer à faire Zot business, le droit des femmes, les bafouer, continuer à faire ce que Zot fait comme d'habitude. Hein. Donc apparemment, l'Europe, il veut pas ça. Et c'est une atmosphère que guerrière, Banadiaou, Nina, là-bas en Afghanistan. Donc il faudrait changer ça avant que l'Europe il donne son accord pour pouvoir aider les Afghans. Il faudrait voir un petit peu comment Banaï s'affaire là-dedans. Donc aucun pays pour l'instant l'a reconnu le gouvernement afghan. La chef de la diplomatie norvégienne, Anniken Huitfeldt, l'a souligné que ces discussions ne constituent pas une légitimation ou une reconnaissance du peuple du gouvernement afghan. Voilà, donc Banaï, ça va les sérieux seulement. Hein. Et après, nous va aller à une affaire assez étonnante et intéressante. Pourquoi pas faire ça dans certains pays? C'est à Taïwan, il y a des condamnations pour les conducteurs alcoolisés. Alors donc, pour dissuader les habitants de boire de l'alcool, pour défendre les autres de boire de l'alcool, les autorités l'ont trouvé une super affaire. Une petite ville taïwanaise l'a mis au point une sanction originale. C'est-à-dire que la sanction originale, les personnes sont condamnées à nettoyer la morgue de la ville. C'est une mesure un peu radicale. Ici, à La Réunion, on ne fera pas ça. Il y a un protocole sanitaire, tout le bordel. Il ne fera jamais ça. Donc, c'est assez marrant. Hein, donc, une mesure peu radicale qui va probablement marquer à vie les personnes concernées. Ken Shimei, maire de la ville de taïwanaise de Kaohsiung, a pris cette décision classée étonnante de lutter contre l'alcool au volant. Dorénavant, les personnes condamnées sous l'état d'emprise alcoolique, ils devraient, à l'effet des travaux d'intérêt généraux, à la morgue de la ville, nettoyer la ville. Sérieux, sûrement, avec Zot, là?
Donc, nous va, voilà. Donc, le FIL 8, pour moi, il est déjà à 6h24 minutes. Vous voulez parler de Micron qui pourrait être, devenir endémique. Aujourd'hui, nous n'avions pas trop parlé de Micron. Ben, nous va parler de ça demain. Et moi, m'y va passer avec Cosmant La Réunion. Cosmant La Réunion avec le temps m'y arrive au Cosmant La Réunion. C'est tellement d'informations dans ce pays-là que, voilà. Cosmant La Réunion, on n'a pas un médicament pour mal au qui. Ben, quand même, on est mal au qui, on n'a pas un médicament, on n'a pas un traitement pour ça. Hein. Donc, ça, c'est Cosmant Gramoun à méditer aujourd'hui. Et nous allons aller du côté de la météo avec la pluie et les prévues ce matin un peu partout, hein, pas par place, on aura la pluie ici à La Réunion et l'après-midi on aura aussi la pluie bien comme qu'il faut, va bien charger sur toute l'île. À Mayotte, pareil, Néna, le temps est légèrement couvert le matin, par place, Néna la pluie, et puis il va charger bien comme qu'il faut l'après-midi. Et nous, Néna aussi du côté de Mayotte, du côté de Maurice. Maurice, ben, les prévues de la pluie aujourd'hui. Bien comme qu'il faut. Voilà, ce causé La Réunion, l'a fini. Mille donne à Zot, rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Mille remercie à Zot d'avoir suivi ça. Mille Zot, tiens, vous serrez là. Bonne journée à Zot. N'y retrouve.